Dimanche 26 mai, c'est la fête des mères. N'oubliez pas d'embrasser très fort votre maman. Et n'oubliez pas non plus d'embrasser très fort votre mère patrie, puisque ce sont les élections européennes. Un seul tour. Il faut donc se mobiliser pour battre la liste conduite par Emmanuel Macron, qui n'est plus le président de la République, qui est redevenu le président d'un parti politique et qui continue son œuvre de division des Français. Donc le choix, il est simple, entre les diviseurs et, j'allais dire, les rassembleurs du peuple français. Ces rassembleurs, eh bien, c'est la liste conduite par Jordan Bardella, une campagne rondement menée. Nous sommes tous fiers de ce jeune homme de 23 ans qui est la révélation de cette campagne. Il a fait une excellente campagne, encore une fois, et bien sûr, aidé en cela par Marine Le Pen. Le temps est venu de récompenser les nationaux et surtout de protéger les Français en plaçant cette liste en tête. C'est le cas aujourd'hui dans les sondages. Eh bien, ça doit se transformer dans les urnes. Mobilisation générale le 26 mai pour que Marseille déjà donne l'exemple. Il faut qu'à Marseille, cette liste soit en tête. Et puis pas qu'à Marseille, sur l'ensemble du pays, parce que dans le cas contraire, eh bien, Emmanuel Macron va nous le faire payer très cher. Le 26 mai, on embrasse très fort sa maman et on embrasse très fort la France en votant pour la liste conduite par notre ami Jordan Bardella.